Bonjour, bonjour, mes amis à la ronde, badé, quel que soit côté ou à peu garder vidéo ça, eh ben nous saluons vous. Nanon Elolam, Yehoshua. Et nous, c'est Fadiel Etienne, votre psy. Et c'est avec un peu de plaisir, nous revenons là et nous pourrons passer un très bon moment de formation et d'information. Si c'est pour la première fois que vous regardez la plateforme, non, cliquez sur abonner, activez la cloche là, ça va permettre que vous gagnez accès à toute vidéo. Nous avons gagné pour nous préparer pour. Nous connaissons depuis quelques années, nous faisons thème immigration illégale dans le pays République dominicaine. Une priorité et nous sentis c'est une nécessité pour que nous capables assister la communauté haïtienne qui est en République dominicaine et pourquoi pas communauté haïtienne qui est en diaspora tout côté dans le monde là, Brésil, Canada, France pour nous voir comment bagayo a évolué. Mais cette fois-ci nous on était avec immigration dans le pays République dominicaine, c'est voisin nous, c'est l'équipe près nous, et pour nous commencer à évoluer là-bas. Nous créons pile d'informations que nous ne faisons pas de yo. Et bien, tout au cours de cette semaine, même la semaine antérieure, nous allons continuer ensemble avec le thème immigration, yo, comment ça y est pour Haïtiens dans le pays République dominicaine. Nous pourrons faire tirer tout sous. Ça nous a dit la position des dirigeants haïtiens et dans la conjoncture, ça a été là-bas déplacé. Dans les vidéos de commencement jusqu'à la fin, nous pourrons observer un petit pause et puis de retour, nous retourner ensemble avec tout détail pour selon l'actualité. Restez là, pas déplacé. Merci de votre fidélité. Merci, mes chers amis. Eh bien, c'est avec même chaleur, même l'amour, même enthousiasme. Eh bien, si COVID a fanyel au point, l'y entrer la cala. Nous connaissons depuis quelques années, moins fait de thème immigration dans le pays République dominicaine, et ont priorité. M'pap dans la vidéo ça. Moi, j'ai parlé nous de toute action que l'immigration a posée. Mais je dis à nous pour mettre accent sur grand décret président Abinader qui prend. L'élite jugé bon, lui, ouais, c'est moyen qui montrait pour capable retirer Haïtiens ici. Et puis nous pour analyser l'ensemble pour nous voir est-ce que Jean de Bagay Sayo a appliqué dans le 21e siècle. Président pays Saint-Domingue là, c'est un président démocratique, élu au suffrage universel direct, parce que c'est par le peuple. Et on dit souvent la vos populi, vos Dei, mais il était gagné que la majorité du peuple dominicain. Moi, j'ai une plateforme espagnole qui est le Fai Secreto, et moi, j'ai publié en vidéo, côté comme je fais tout sondage politique en ma qualité. Ce que je suis, et puis nous t'es sorti en conclusion que nous t'es dit, Luis Abinader, ta président, dès le premier tour. Et ça t'est fait comme ça. C'est pas parce que nous t'es fanatique, d'ailleurs, nous pas dominicains, et nous pas fanatiques qu'un président. Mais sauf que tout président qui respectait mon qui la caillot, ou après, même Jean Tour, mon a bien appréciation pour. Le où passer yon l'ordre pour yon capable, prend haïtien illégal. Et il prend haïtien même qui légal. Quand on a demandé qui bon ça va aller, jusqu'à côté bagage ça va arriver, eh bien, haïtien qui pas bon ici. Nous lancé plusieurs vidéos, nous avons opératif qui a marché de tous côtés, eh bien, dominicain m'a déragé, peuple a manifesté, et eh bien, l'État même lui-même l'a posé action. Dominicain disfracé, dominicain déguisé en migration, en immigration pour être capable de prendre haïtien et puis arriver devant le prendre comme dans la main. C'est gros bagage m'a dit nous là. La police dominicaine gain droit président de faire un bail, ils ont fait sortir un décret quel que soit monde qui porte zam dans le pays a et puis zam dans légal ou gain droit camper un haïtien et puis vous demandez le papier s'il pas gain ou capable détenir lui
ou jusqu'à ce que vous portez par la police et la police apprend l'hypothèse par l'immigration. Si vous avez un papier, vous avez voulu le tourner. Mais est-ce que ça va être un danger la donne? Oui, il y a un danger la donne parce que nous gardons nous dans et quelques zones avoisinantes, dominicains, météo qui marquent l'immigration, ils ont un uniforme police sur eux et ils prennent haïtien. Et haïtien eux-mêmes, ils fait un groupe, ils ont arrêté. Et Dominique ça qui était déguisé, il remet yo la police. Ça veut dire décret ça en tout cas, il y a danger là-dedans. Mes chers amis, immigration, bon façon yo prend haïtien. Pour ça pas t'arriver sur celle sur ta sans honte. Celle si ou même ou ta un haïtien qui pas un haïtien qui pas valable. Permettez-moi de dire comme ça parce que haïtien pas valable. Il y a haïtien qui commentait, qui dit non, tout n'est la caille, nous, nous ne pouvons pas venir craser le pays. Écoutez, ça c'est entre haïtien pour dire, mais on n'est pas capable de publier. Est-ce que nous comprenons ça, dit, non? Entre haïtien et haïtien pour dire. Mais pour dire bien dire, est-ce que haïtien par une façon de gérer le bagage? Bon, montrez-nous souliers à gens immigration. Yo. Et que faut nous comprendre que bagay la li pas capable dans façon tout moun wèl. Gardons soulier. Gardez yon soulier, yon bot ki nan pied, yon agent immigration. Kone est-ce que vous dites les agents sa kembe haïtien est-ce que la ba chance? Est-ce que la ba chance? Li pa ba chance mes amis. Gardez votre. Bagay ça fait mourir. Pour que ça lui fait mourir parce que on pas comprendre. Garde. Regardez, est-ce que monsieur est sérieux? Waouh. OK. Ah, bon. Regardez, bravo. Si vous avez ça demandé pour me battre là, c'est pour moi pour me battre. C'est pas. Ouais, mourir jusqu'à ce que je prie. Battre sur la vous moi. C'est pas. Garde soulier, monsieur. Garde soulier, monsieur. C'est soulier, monsieur, pour me garder. Garde soulier, monsieur, qui, c'est un agent immigration qui a pris haïtien. Agent immigration, ça déjà. Son agent immigration qui frustré. Et Jean frustré, l'aile paraît sur haïtien, lui passer l'âge la sou. Même bot, hein, l'état a pas baille. L'état a pas baille avec l'uniforme, non? Bot, monsieur chéri. Si c'est monsieur tout qui t'a mis l'argent pour acheter bot, lui, pour qui ça lui pas acheter un bot? M'dare le Black Alex, m'dit, maman, mes bot, là, et puis mettez les femmes, là, quand même, ça. Et, ou regardez pour eux, bot là tout zon pied monsieur dehors là dedans et haïtien yo pendant ou humilié yo et ben yo chercher des bagages pour haïtien yo fait photo monsieur et puis yo couronner yo voyer ba moi parce que et le moi ba ça me tellement ri. vous pouvez remarquer que jusqu'à cette présente minute mon poko ka passer ri à moi ri jusqu'à ce que me crier. Et c'est que garde botte, yon agent immigration. Bon, et yon continue pour haïtien. Moi montre nous yon entraîne dans business yon pour haïtien. Et Kounia, président pays a mandé pour que directeur général immigration entre en dans caille privé à l'Bramoun. Monsieur dit la justice dominicaine, bon, tijan trop faible. Pour qu'on prenne engagement ça. C'est parce que lui même la voye haïtien aller chaque jour, mais entrer en dans caille. Justice à trop faible. Ça m'a dit en pile réflexion. Nous allons passer dans la deuxième phase, non? Qui c'est comment dirigeant haïtien ouais bagay là. Restez là pas déplacé. N'a observé une deuxième pause
avant de rentrer dans le deuxième panneau pour matin. Merci. Deuxième panneau pour matin. Et nous gagnons près. Alors, ministre Dr Ariel Henry, c'est une bagarre, lui, qui pas décidé de démissionner. Malgré que il a fini avec toute bagarre, il pas décidé de démissionner. Il était dans bonne, c'est que les papes changé, les papes démissionné, les papes et viré même fusil d'épaule. Et nous tirer les 10 Jovenel après le pays. Si Jovenel pas aller, n'a pas mourir. Si Jovenel pas aller, n'a pas mourir. Et franchement, regardez moi, le pays a fini. Ariel Henry, il fait concombre ensemble avec les États-Unis pour capable occuper le pays ça. Et payant la Russie avec la Chine campé dans bonne. Et il a détourné un grand rêve que les États-Unis ont gagné pour venir occuper Haïti une troisième fois. Et physiquement. Il faut que nous dire États-Unis t'es occupé Haïti déjà plusieurs fois et dernièrement là c'est en 2004. Il y a pas moyen ministre, il a signé un contrat avec ministre pour 6 mois, ministre fait 13 ans en Haïti. Ça veut dire nous pas voulu occupation. Ce problème n'est pas un problème américain, c'est un problème haïtien. Nous qu'à entendre nous entre nous, monsieur suspend quitter ces blancs à résoudre problème nous. Nous voilà et mettez fin en vidéo nous. Merci de votre fidélité. Merci pour patience ou te permettre que nous paraître sur écran, télévision, téléphone, iPad, laptop. Nous casser rendez-vous pour une autre vidéo qui pas trop longue pour une autre information toute neuve. Bonjour, au revoir.